Fetika, une entrée en lice réussie aujourd'hui devant ton public face à une joueuse qui est un jeu atypique. Bah ouais, ça fait extrêmement plaisir de rapporter la victoire ce soir sur une défenseuse asiatique. J'avais pas forcément énormément de repères sur ce système. Donc forcément, bah, faire un match de ce niveau-là et revenir avec une victoire à Montpellier en France, c'est juste quelque chose de top et j'ai juste envie de continuer. Prochain match Mimaito, comment tu vas l'aborder ce match? Je sais pas encore quand est-ce que je joue, mais bon, c'est sûr que j'ai quand même j'ai fait deux matchs sur elle les derniers mois, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Après, c'est une joueuse de classe mondiale, donc je sais qu'elle aura aussi du répondant, mais en même temps, j'ai su produire un très bon tennis de table ce soir, donc évidemment, j'ai hâte d'être sur ce deuxième tour et d'avancer plus loin. On sait que ça sera encore plus rempli dans les jours qui arrivent. T'as hâte d'y être, hâte de retrouver cette salle bouillante? Bah oui, complètement. Je pense que quand tu joues devant un tel public, la seule envie que t'as, c'est de rejouer, de passer le plus de temps possible sur l'aire de jeu. Donc forcément, c'est mon envie. Mais en même temps, il faut bien faire les choses avant et pendant le match. Donc voilà, il y a un mix entre l'excitation et en même temps la sérénité dans mon système de jeu et dans comment j'appréhende les matchs. Ça marche, merci. Merci.